Thank you.
Seigneur et de la cour céleste des anges pour chanter sans cesse les louanges du Seigneur. Oui, tu nous as devancés pour baliser le terrain comme Saint-Michel, Daniel Brottier, comme Coris, Maestro, Percussionniste. Que de talent! Tu étais très efficace. Moment de fraternité, l'espérance nous anime. Va en paix. Bon et fidèle serviteur. Jamba Demna, oui, quelle fête! Nous pourrions tellement témoigner de toi, Jaco, à travers la chorale, ton vécu parmi nous, tes conseils, nos moments de joie, et sans oublier nos guidés sur un droit chemin. Pendant les études de terrain pour les sorties de fin d'année, tu ne ratais pas l'occasion pour nous rappeler que préparer une sortie, ce n'est pas chose facile. Phrase favorite quand tu t'énerves. Si un enfant n'est pas content, que son parent m'appelle. Mon numéro, c'est le 77 653 04 13. Jacques Banesmaï.
à nouveau. Tu n'aimais pas que les choristes disputent. Et lorsque tu savais que tel ou tel s'était disputé ou ne se parlait pas, tu leur demandais de s'asseoir et de se réconcilier. Car ça m'attend. Tu as porté ta croix jusqu'à partout, sans bruit ni trompette. Va rejoindre au ciel Tata Rose et Blaise. Va jouer du temps. Maman Marie, celle que tu as tant aimée et chantée, s'y attend pour t'introduire au banquet royal, où son fils te donnera une place. Jokonyal Jacob. Merci Jacob. Obrigado. Quelle perte, que la composition de ces deux mots que l'on te prête, mon cher Jacob, et que tu savais savamment utiliser dans tes discussions familiales et amicales, sous-entendait tous éclater de rire, nous l'utiliserions aujourd'hui pour décrire l'émotion qui nous anime, suite à ta soudaine disparition. Aujourd'hui, mon cher. Oui, car empreinte de désolation et de douleur. Quelle perte de voir Jacques le Charmeur, Jacques le Serviable, Jacques le Confident, Entreprenant, Jacques le Protecteur, et que dire encore pour décrire toutes tes qualités. Il fallait bien que ça vienne pour toi laisser place à la dévotion que nous t'aurions portée. Rares sont les personnes qui ont eu la grâce et la joie d'accomplir de grandes choses pour leur communauté. Et tu en étais. En passant par la route de 1999 à 2007, comme novice, apprenti, compagnon, avec la responsabilité d'assistant, chef de meute, à 2023. La petite chorale de 1996 à 1998. La chorale Saint-Michel de 1998. Saint-Michel, on parlait de la petite chorale. Chorale Daniel Gauthier de 2000 à 2008. Comme choriste, percussionniste et maître. Saint-Michel de 2016 à 2019 comme coordonnateur puis maître de chœur. Chorale Saint-Michel de 2019 à 2021, où nous avons connu une pause suite à ta mort. Tout en sachant que tu prenais du plaisir à écouter tes chers enfants. Et à nous, te connais en paroisse, ce don de percussionnistes, qui ont fait de toi, lors de ce passage de 2000 à 2008, une icône, avec l'ouverture des de la salle Liberté 6, désormais appelée salle Père Michel, comme tambour major. Et je finirai avec la création du groupe de percussionnistes auquel nous appartenions, pour certains de tes amis, Mouloumi, mon binôme. Tu t'en vas et tu laisses ta famille, tes amis, ceux qui t'aiment dans une grande solitude. Tu t'en vas et tu nous laisses tous encore concernés, après avoir tous passer ensemble la fête de la Tabaski, rituel que nous accomplissons depuis notre jeune âge. La veille de ta disparition, le lendemain de cette folle soirée, certains d'entre nous ont pu partager encore des moments d'intimité avec toi, avec ta famille et quelques-uns. Tout cela sans savoir qu'à 4h30 du matin de ce fatidique, premier juillet 2023, la période, ce fameux mois. Voilà que nous n'avons pas, dont l'anniversaire approche, le 27 juillet 2023. Voilà pourquoi il veut nous dire que l'histoire se termine ainsi. Cela fait mal.
cela est douloureux. Cela est difficile à accepter. Quelle peine. Au nom de toute la fratrie des compagnons d'Emmaüs, je me tourne vers la famille à combattre le bon combat. Tout comme nos frères d'armes, Fabrice et Pierre, le lion a tiré sa révérence. Que dis-je? Il s'est endormi. Alors ne tentons pas de le déranger dans sa sieste. Ne tentons pas de le déranger dans sa sieste. Il me fait vous dire, par l'intermédiaire d'une amie et sœur commune, il va bien. Il est bien là où il est. À son arrivée, de l'autre côté du bord, c'est tante Ada qui est venue le chercher. C'est tante Ada qui est venue l'accueillir. Et car pour les incompréhensions. Spécialement à toi, Hortense. Et plus particulièrement à toi, maman. Yaï. Balma. Et toi, mon cher ami, nous te disons va en paix et dors du sommeil du juste. Pour cela. De 27 ans. Je serai tenté de transformer ton refrain d'un soir harmonisé ironiquement à quatre voix avec les amis. Où est mon sac? En où est mon jacquet? Toutefois, je saurai me consoler. En choix et regardant grandir et s'épanouir ton homonyme mauvaise connue et ta fille avec que tu m'as confié, je pose en paix. Avec plusieurs années d'habitude, assurer l'adoration du groupe. Merci pour tout. Dieu de Dieu. Era mes fanfares. Era Bokaya. Era Kochi. Era mes djanga. Era Mouto. Era Yesu. Era Yesu. Era Yesu. Enfants. Il me revient aujourd'hui de prendre la parole au nom de la team Immaculée Conception pour apporter un témoignage sur notre sœur Brigitte Vienne. C'est bien la séparation à la suite du décès d'un être cher, d'un parent ou encore d'une amie comme pour Brigitte Vienne. Aujourd'hui. Brigitte, avec qui nous avons partagé des moments d'échange, de convivialité et de fraternité. Loin de vouloir faire un serment réservé aux prêtres célébrants, nous tenons chacune de nous, membres de la team Immaculée Conception, et de façon à notre amie Brigitte, qui aujourd'hui nous précède dans le royaume des cieux. Avec Brigitte,
Ce fut une amitié vieille de plus de 50 ans pour certaines, et pour d'autres, des retrouvailles après plus de 40 ans de séparation, où chacune a eu à construire sa vie d'adulte, à vaquer à ses obligations et responsabilités, de femmes éduquées dans les préceptes de la vie et les convictions religieuses des sœurs de l'Immaculée Conception. Brigitte souhaitait l'ultime au revoir à notre sœur. Ce jour-là, Brigitte a su encore une fois démontrer la... Brigitte, toutes tes sœurs de la team ont tenu à te rendre hommage et à t'adresser un mot de reconnaissance et de revoir. Aurora, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour tes obsèques. Toutes à l'unanimité magnifient ta bonne humeur et ton art de cultiver l'amitié. Baobab majestueux, debout dans la forêt, tu as su déployer ta générosité et porter de beaux fruits. Nous t'avons admiré, Brigitte, et tu as servi de modèle à beaucoup de tes sœurs. Sage et douleur profonde. Tu laisses notre fille meurtrie et je n'ose pas imaginer l'affliction de tes enfants, à qui nous pensons très fortement dans cette dure épreuve. Repose en paix au paradis céleste, chère Brigitte. Brigitte, femme active tu l'as été, et telle une Amazon, tu as su répondre autour de toi. Tes enfants pourront tous compter sur toutes les mamans que nous représentons dans ce groupe. Brigitte, tu es partie avant nous, bien trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Tu t'es endormie sereinement dans les bras de ton père. Je suis heureuse d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Tu avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. Tu rendais tous les moments joyeux et uniques. Tu quittes ce monde de chagrin pour un royaume de paix. Mais tu es juste de notre côté. Ce n'est qu'on nous revoit. Dors en paix. Brigitte, tu t'es endormie sereinement dans la paix et la gloire de notre Seigneur. Puisse ce voyage astral se poursuivre sans peur de la mort, mais dans la lumière de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Brigitte, femme pieuse tu l'as été, femme dévouée spirituellement et dans la société, tu l'as tout autant été. Sois récompensée, ma sœur, par le Seigneur. Qu'il t'ouvre ses bras et t'accueille dans son royaume. Brigitte, en union de prière avec ta famille, tes enfants, tes amis, tes connaissances, que le Tout-Puissant donne à chacune et à chacun l'apaisement, le confort et le courage pour vivre cette séparation avec ton corps. Brigitte, de là où tu demeures désormais, prie en retour pour ta famille, tes enfants, tes sœurs de la team, comme nous prions pour l'ascension de son âme. Brigitte, ton pèlerinage sur cette terre s'est arrêté ici. Je suis contente de savoir que maintenant tu ne souffres plus de cette vie, mais que tu vis à présent dans la gloire de Dieu. Que les prières t'accompagnent jusqu'à ta dernière demeure et que de là-haut tu intercèdes pour ta famille. Va en paix, Brigitte, confiante que ce n'est qu'au nous revoir, oui, dans l'espoir que nous nous reverrons un jour. Il y a une femme que tu lui dois une chance. Brigitte, ma sœur bien-aimée, ce n'est qu'on nous revoit. Sois sans crainte. Dors dans la paix et la lumière de notre Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je voudrais juste dire quelques mots pour Jaco. Jaco que j'ai connu et que j'ai côtoyé par la fille chorale. Je dis tout simplement, allez, je regarde Dieu. Jaco a été un éducateur très passionné qui sont devenus aujourd'hui de belles jeunes filles et de jeunes hommes très élégants. Ça, tu veux dire c'est à Jaco. Ça, tu veux dire.
juste appeler votre attention sur les objets que nous avons, les portables, je veux dire, de les mettre sous silencieux ou de les éteindre. Certes, l'heure est grave. À tout de suite, nous allons commencer bientôt la cérémonie, mais les majorettes et les scouts vont devoir faire au moins quelques actions avant la messe. Très bonne célébration.
Merci aux majorettes pour ce dernier au revoir à notre cher tambour-major Jacques Bonesme. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, malheureusement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mort. Le départ de deux êtres qui nous font chers, aussi bien chers
Marie-Brigitte. C'est pour cela que nous allons nous recueillir pour prier, écouter la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons qui nous rappelle le Christ, lumière du monde, lumière qui nous appelle à la résurrection. C'est pour cela que nous allons allumer cette flamme auprès de notre sœur, Père Jacques. Cette flamme qui nous vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans les cette croix qui nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps sa résurrection. Nous allons déposer cette croix Seigneur Jésus, rappelle-toi qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous, que ces croix que nous déposons et de ton amour pour notre frère Jacques et notre sœur Marie-Brigitte et pour chacun de nous. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix nous rappelle, quel soit à nos yeux, le signe de ton amour. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons demander pardon à notre Seigneur. Pardon pour nos péchés. Et en même temps, pardon pour les péchés que nos sœurs, Marie-Brigitte et notre frère, Jacques, ont commis. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à Jacques et à Marie-Brigitte et qu'il les conduise à la vie éternelle. Thank you.
ressuscité, par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Jacques et à ta servante Brigitte Marie la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Acceptez de mourir pour un homme juste. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. De son fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a réconciliés avec lui. Parole du Seigneur qui vous sort. Oh,
Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a ouvert à tout croyant les portes de la vie. Soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant cela, voyant comment il avait expié, cria : vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on avait roulé la pierre qui était pourtant très grande. En rentrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit : n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Chers membres des familles Djem, Djaï, Beng, alliés, amis, recevez de la part de l'équipe pastorale nos sincères condoléances. Nous savons combien il est difficile de perdre un être cher et nous partageons cette douloureuse épreuve que nous disons une messe d'enterrement pour une seule personne. Alors, lorsque nous enterrons deux personnes qui ont gardé la foi jusqu'à la mort, qui nous ont côtoyés pour toujours, pour l'éternité, auprès de l'Éternel. La mort nous appelle toujours notre humanité. Dans l'évangile choisi pour la circonstance, cet évangile nous ouvre de contempler le grand amour de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et saint Marc, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce que vous dites, ce que tout un chacun de nous se dit. Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi ma famille ? Pourquoi mon ami qui découle de notre humanité ? Comme
Il est réconfortant pour nous chrétiens, de découvrir que le Christ lui aussi est fragile. Nous aussi, nous pleurons comme Jésus. Abandonne-nous à son Père. Comme lui, il a mis sa confiance en son Père. Mettons-nous aussi notre confiance en son Père. Qui, le troisième jour, a ressuscité son Père. Il est vivant à jamais. À ces femmes qui sont parties au tombeau, on leur communique cette bonne nouvelle qui n'a pas de douche, que nous devons essuyer nos larmes et savoir que Jacques et Brigitte Marie ressusciteront. Alors n'ayons pas peur, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur, puisqu'ils sont ressuscités. Il est vrai que nous sommes ici pour rendre témoignage à Jacques et à Brigitte. Il est aussi vrai que où Jésus se livre pour nous, nous découvrons sa grande compassion à la demande du bon larron. Il lui dira aujourd'hui, Marie, Brigitte, aujourd'hui, dans le paradis. Quelle belle espérance pour nous chrétiens. Quelle belle espérance pour nous de savoir que la mort n'est pas la fin de tout. Alors, chers frères et sœurs, oui, pleurons parce que nous ne les verrons plus. Pleurons parce que Jacques et Brigitte Marie ne sont plus auprès de nous. Mais essuyons-nous maintenant auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Apprivoiser le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus donne un sens à notre vie, à celui qui lui fait confiance. Chers fidèles du Christ, Marie-Brigitte et Jacques ont eu, malgré leur maladie, toujours confiance arrachée de notre cœur. Jacques et Brigitte ont été des nôtres. Jacques a été bien serviable dans tous les mouvements où il a chorale, mouvement des enfants de cœur, le scout, les majorettes, sa CB, partout, il a été bien apprécié. Jacques nous a montré que la foi doit se vivre tous les jours. Brigitte, elle a été comme Marthe Robin, une personne que la maladie. Bien au contraire, sa foi en notre Seigneur a été pour elle, sa source de réconfort durant sa maladie, pour savoir que même abandonnée, et encore plus, elle avait la compagnie de notre maman Marie, parce que Brigitte Marie aimait prier le rosaire. Elle aimait surtout avoir autour d'elle des membres de sa famille qui aimaient l'écouter. Chers fidèles du Christ, c'est heureux que nous traversons. Des proches sont partis, des personnes que nous aimons, nous ne les reverrons jamais, parce que la mort a frappé fort, parce que la chose, une fois de plus, a vraiment frappé fort. Mais nous devons rester forts. Pour cela, il n'y a pas de mot magique. Il n'y a que la foi en Dieu qui peut nous soulager. Puisque Christ a connu la mort pour la résurrection, alors ses disciples et sa mère, nous sommes nous tous en ce que Christ l'a dit. Moi, je suis la résurrection à la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous sommes convaincus. Cette messe est pour nous une manière de prier pour vous. Et en même temps, une manière de vous rendre hommage. Vous êtes des deux. Nous allons tous nous mettre debout. Et acclamer encore, applaudir pour cela. Jacques, Marie-Brigitte, vous avez tenu le flambeau de la foi. Vous nous avez fait du bien. Nous ne vous oublierons jamais. Pour vous, nous prierons chaque jour
et voici vos souhaits pour vous. Amis qui pleurent, votre mort ou votre absence. Amen. Qu'il vous pardonne tous vos péchés. Qu'il vous accueille dans son paradis. Amen. De là où vous êtes maintenant, que vous priez pour les membres de vos familles et vos amis. Amen. Et que la Vierge Marie intercède pour vous, afin que nous nous retrouvions en train de contempler la face de notre Dieu. Et maintenant, nous allons prier. Pour nos amis défunts, Jacques et Brigitte, elles, ensemble, prient. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Nous te le demandons à toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père le Tout-Puissant. Sois proche de tes serviteurs, Brigitte, Marie et Jacques, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour eux qu'en ce jour de leur funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Si la tâche du péché les a marqués, si la faiblesse humaine les a souillés, que ta tendresse leur pardonne et les purifie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur et Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, qu'ils s'asseyent. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Pour te servir humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. La charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Benjamin Gaï, l'évêque Émérite le cardinal Sœur, tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, Jacques et Brigitte, qui ont quitté ce monde. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions également pour les défunts de la famille de Jacques, de la famille de Brigitte, qui les ont précédés auprès de toi. Nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons, Seigneur, sur ces familles éprouvées, sur toutes ces personnes qui ne cessent de traverser l'amertume de cette vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame des victoires, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout et Seigneur aux personnes qui pleurent la mort d'un être qui leur est cher. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, car ta chaîne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Ne pas les péchés, les fautes de Jacques et de Brigitte Marie, mais la foi et l'espérance qu'ils avaient de ton Église, que ta volonté, que ta vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Seigneur de paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour tes serviteurs Jacques et...
Bonjour à tous. Nous demandons à tous les scouts de venir. Saluez. Avec la chorale, nous allons entamer le chant de promesse. Gratitude pour la présence, l'accompagnement et la communion dans la foi. Que le Seigneur soit. Dieu, notre Père, avec toutes nos prières ferventes. Espérons et nous croyons tous que nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. Au nom du Père et du Fils. Amen.
les accompagner tout au long de leur vie. Délivre-les maintenant de tout mal. Ils ont quitté ce monde qui passe. Conduis-les auprès de toi. Et la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que toute marque, tout signe de cet amour qu'ensemble nous avons vécu, allez et demeurez dans la paix du Christ. Le 8e jour aura lieu demain, ici même à 18h30. Les condoléances seront reçues à son domicile, Liberté 5. Le transport, il y a deux gratuits pour les bus. Merci et encore nos condoléances.